Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Comme vous l'avez vu, si vous me suivez sur mes réseaux tels qu'Instagram, j'ai rejoint l'Athlet 92 cette année et on va démarrer avec du très très lourd pendant que je vous fais cette présentation dans ma nouvelle salle de montage. On va démarrer avec les championnats de France de relais ce week-end. Donc là, la vidéo sort ce vendredi. Et samedi et dimanche, on est à Blois pour le 4x100 et le 4x200 avec l'équipe. J'espère que vous allez nous encourager et suivre surtout toute cette aventure via mon Instagram, @itfulminero. On est reparti pour une saison. J'espère que vous aussi, vous êtes au maximum pour cette nouvelle saison 2023-2024. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et je vous présente la semaine de préparation avant le retour et, espérons-le, les médailles. Pour aborder cette semaine pré-compétition, on commence avec 6 x 40 mètres en chariot et une petite confrontation sur 40 mètres pour terminer la séance, histoire de mettre petit à petit de la compétitivité dans l'entraînement. Pour le reste du groupe, les filles avaient 80 mètres en chariot et 120 mètres. Et pour les garçons qui avaient fait les qualifications au championnat de France de relais, une aérobie de récupération. T'es pas fatigué? Ça va. T'es pas fatigué? Tu peux en faire combien encore? Au moins 3 ou 4 hein? Tu peux en faire au moins 3 ou 4 encore. Hein? Et s'il a passé plus. Mardi, on enchaîne avec une séance de musculation, développé, squat, rail de mollet, une séance complète pour travailler l'entièreté de notre corps. Allez, une, deux, allez, trois. Ferme la bouche, je suis jaloux là. Tu savais, ça allait à travers ton col de toute façon. On est dans la même galère que moi. Problème de poids? Non, pas de problème de poids. Moi, je suis moins lourd que vous tous là. Moi, je suis 65 kilos. Je suis 65. 73 kilos. Ouais, 75. Allez, 74 si c'est un mauvais jour. Moi, je suis 65. Hein. 65? C'est un mytho! Une queue, c'est 65. Étant donné la divergence de point de vue sur les poids de chacun, on a décidé d'aller prendre une balance pour voir qui pesait le plus bas. Ah, il a déjà pris. 74-1. Ils sont où les gros porcs là? Ça montait quoi ça? 75-5. Tu montes? Oui. Parce que moi je vais la casser. Moi aussi, moi. Ah, toi, moi il va y casser. Ah, lui aussi. Parce que les autres là. Moi je monte pas cette fois. Descends. Oh! Que sur un rappeur du groupe! Et encore les chaussures c'est 5 kg. Les chaussures et tout, les pantalons et tout. Au final même le coach s'est prêté au jeu. Aïe 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 aïe. On a plus de 10 kg d'écart. Mercredi, place à la séance lactique avec 5 x 150 mètres et des passages de relais pour travailler justement le 4x200 de ce week-end. Hop.
De l'autre côté, petite confrontation Thomas Erwan pour terminer leur séance de vitesse. Et on enchaîne le vendredi avec une séance de musculation lourde dynamique avant d'enchaîner samedi sur une séance de relais. Samedi, chaleur et beau temps sont de mise afin de préparer les marques pour le 4x100 et 4x200. Allez, viens, micro. Tu veux un câlin, toi aussi? Toi, tu fais câlin vidéo? Ouais, câlin vidéo. Et voilà, c'est tout pour la vidéo cette semaine. Suivez-moi bien sur mon Instagram si vous voulez avoir des nouvelles en direct des championnats de France. On a terminé la séance par un 4x100 mètres en vite relâché vite afin de tester les passages et de voir un petit peu comment on sentait tous ensemble. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine sportive et je vous dis à la prochaine. Ciao !